monde. Bonjour Lola. Bonjour. On va faire une sauce tomate. Donc des tomates, du vin rouge, un peu d'assaisonnement, sel, tabasco, paprika, poivre, un peu de sucre pour enlever l'acidité et une échalote et deux gousses d'ail. On va commencer par éplucher notre ail et notre échalote. On peut prendre des oignons, hein, ça va aussi à la place. Ensuite, on émince. On va faire pareil avec l'échalote. Ensuite, on va enlever le pédoncule. Et ensuite, on va couper en petits carrés. Et voilà, on a fini nos préparations. Maintenant, on va passer à la cuisson. Ok, alors là, on va passer à la cuisson de notre sauce tomate. Alors, on va commencer par faire revenir dans un petit peu d'huile d'olive notre échalote et notre ail. Alors, il faut que la casserole soit bien chaude. Laissez un petit peu chauffer l'huile d'olive. Voilà. On peut tout balancer dedans et on laisse suer un petit peu, ça s'appelle. Voilà, on va déglacer au vin rouge. Voilà, on va laisser réduire un petit peu. Voilà, on va rajouter nos tomates, notre sucre, notre paprika, 2-3 gouttes de tabasco. Après, c'est au bon vouloir. Un peu de poivre et du sel. Vous couvrez et vous laissez cuire environ 10 minutes. Voilà, alors là, les 10 minutes sont passées. On va juste donner un petit coup de mixeur plongeur. Hein. Voilà. On n'a plus qu'à goûter pour rectifier l'assaisonnement. Et voilà, c'est tip top. Vous n'avez plus qu'à mettre ça sur vos pâtes. Et puis bon appétit.